Commençons avec notre première candidate, Valérie Bouchard, doctorat en psychologie. Le titre de sa thèse non vulgarisée est « Je retiens mon souffle, apprentissage et régulation de la peur chez les femmes victimes d'agressions sexuelles et leurs enfants ». Qu'en est-il lorsque la mère souffre d'un trouble de stress post-traumatique? 3, 2, 1, c'est à ton tour, Valérie. Le mouvement MeToo a révélé l'ampleur de la problématique des agressions sexuelles partout à travers le monde. Le Québec ne fait pas exception, malheureusement, puisqu'ici, une femme sur quatre a été victime d'au moins une agression sexuelle au cours de sa vie. Ces chiffres-là sont alarmants, bien sûr, mais ça démontre surtout l'importance qu'on doit accorder aux agressions sexuelles en termes de prévention, mais également en termes d'intervention, puisque les conséquences pour les victimes et leurs familles sont dévastatrices. Prenons par exemple Léo et sa mère. La mère de Léo a été victime d'une agression sexuelle et elle a développé un trouble de stress post-traumatique. Ce n'est pas la seule, malheureusement, puisqu'une femme sur quatre va développer ce trouble après avoir vécu une agression sexuelle. Mais ce que les études nous indiquent, par contre, c'est que Léo, uniquement parce que sa mère souffre d'un trouble de stress post-traumatique, est deux fois plus à risque de développer le même trouble au cours de sa vie. Mais pourquoi? En fait, le trouble de stress post-traumatique se manifeste par 20 différents symptômes dont les combinaisons vont varier d'un individu à un autre. Ce qui est central, par contre, ce sont les difficultés de régulation de la peur. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, les personnes vont continuer à avoir peur, même si elles sont maintenant en sécurité. La mère de Léo, par exemple, elle ne sort plus de chez elle tellement elle a peur que ça lui arrive à nouveau. Elle sursaute au moindre petit bruit, constamment en état d'alerte. Elle a maintenant peur de tous les hommes barbus puisque son agresseur avait une barbe. Et Léo, chaque jour, est témoin des réactions de peur démesurées de sa mère. On sait que les enfants apprennent énormément en observant leurs parents, entre autres à réguler leurs émotions. Est-ce que ça se peut donc qu'un enfant qui voit constamment sa mère avoir peur commence lui-même à avoir peur pour rien? C'est la question à laquelle ma thèse tente de répondre. Plus précisément, je souhaite mieux comprendre l'impact des symptômes post-traumatiques chez les enfants des victimes d'agressions sexuelles. Pour atteindre cet objectif, je recrute des femmes qui ont été victimes d'une agression sexuelle et qui présentent des symptômes post-traumatiques avec leurs enfants pour qu'ils participent à un protocole expérimental dans nos laboratoires. Le protocole comprend différentes étapes qui permettent de mesurer comment on apprend la peur, mais aussi comment on arrête d'avoir peur. Et comment on fait pour mesurer la peur avec la sudation de la paume des mains. Ça nous est tous déjà arrivé, quand on a peur ou qu'on est stressé, on a les mains moites. Avec ma thèse, je vais donc explorer, est-ce que les enfants comme Léo vont apprendre ou réguler différemment leur peur? Est-ce que, par exemple, ils vont avoir peur plus longtemps ou plus peur? Bref, est-ce que le simple fait de grandir auprès d'une mère qui a constamment peur peut influencer la façon dont un enfant va réguler la peur à son tour? Pourquoi c'est important? Tout simplement parce que les victimes d'agressions sexuelles ne sont pas les seules victimes. Pensez à Léo. En comprenant mieux les impacts du trouble de stress post-traumatique parental chez les enfants des victimes, on sera en mesure d'améliorer les interventions proposées aux familles et surtout, on l'espère, de réduire la transmission de la peur au sein des familles touchées par le trouble de stress post-traumatique. Merci beaucoup.